qu'il ne devienne pas comme son père. Calme. Et j'ai fait des vitesses, mais spectaculaire. Et j'ai fait un strike. J'ai joué pour 8000 euros. C'est atroce. La gueule. Ne vous fâchez pas parce que c'est notre seul guide. C'est notre seul guide, alors ne vous fâchez pas. Aïe. Voilà, vous avez la frappe qui m'a frappé. Je peux que l'on si je fais une scène en dédommagement. Non, je vais énerver. Hein. Ok. Son phare, c'est dégueulasse. Marlow Production, film vos actions en 4K. Marlow Production, film et tout. Et fais le montage. Ça marche pas alors. Bah écoute, comme pour premier rallye, il y a un château, c'est un ouais. Et rallye, on n'a pas encore voulu, mais on a bien mangé. Écoute, moi tout à l'heure, donc j'ai fait quoi, 30 km, oui. Premier essai de la Senna. Mon premier ressenti, c'est les boutons, l'électronique, je suis perdu, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. De deux, entrée l'autoroute. On était donc tous ensemble, j'ai juste à peine appuyé, j'ai vu le compteur 2,45, j'ai fait oula et oh, on va se calmer. Navré, hein, en Allemagne, police, mais j'ai pas capté. Si, j'ai tout. J'ai pas fait exprès, donc j'ai suis remis à 110. Je dirais tout. J'ai eu très peur. Donc c'est une voiture qui est un petit peu brute. Le péage, j'ai absolument rien compris. J'ai eu peur sur la porte. Attends donc, le cockpit à la porte, j'ai ça comme espace. Kevin, tu tiens ton sac. Il y a un moment où je commence à me dire, mais. Le ticket, comment je fais, donc la fenêtre elle est comme ça. La porte, je l'ouvre, je passe pas, je suis marche arrière, marche avant, les gens ils ont du dingue. Ce qui est très drôle, c'est ta vitre. Ta vitre qui s'ouvre que de ça en fait. Elle est pas complète. Mais moi aussi, hein, moi avec la Lotus, je suis comme ça en train de me tordre. Pire que ça aussi, pire que ça. Donc je suis seul hein, dans la voiture. Je pose mon téléphone sur le siège et là il marque, je détecte un passager. Elle sonne. Ah, ça, c'est vraiment chiant. Mais à part ça, elle est top. Il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a rien pour les valises. Ça pas d'accord. Il n'y a rien. Mais la voiture, elle est extravagante, et elle fait peur, et les drifts, les donuts, ça va y aller. Non, pas ici. Si. Ferrari. C'est beau, hein. Très beau. Ça, c'est une 458 spéciale, ça vaut la peine, quand même. Je suis pas fan. Je suis pas fan de cette voiture. Franchement, c'est con. Hein. Ça, ouais. Ça, Tener, ça garde. Ça, c'est le truc qui me parle. Toi, t'en as envoyé une en enfer. Mais j'en ai une, hein. Oui, mais tu l'as explosé. Galardo comme ça, il y a une anecdote. Qu'est-ce que t'as fait avec ce genre de. Ah, vas-y, allez. Balance à la caméra. C'était en 2011, à février, c'était en hiver. C'était un rond-point du McDo à Waterloo, en Belgique.
et limité à 50, et j'étais à peu importe la vitesse, et j'ai fait un strike tout droit. T'as volé? Je suis sorti indemne, j'ai volé, ouais. Ah oui, t'as volé. Et voiture explosée, je l'ai réparée, vendue, et le proprio me l'a revendue, je vais dire 3-4 ans plus tard. J'ai oublié enfin que je l'avais acheté, et j'ai eu un appel de mon ancien mécanicien, où j'étais donc à Dubaï au soleil à la plage, et il m'a dit « Soul, ta lambeau est prête ». Et je fais « Quel lambeau ?» J'avais zappé, enfin que j'avais une lambeau. Il n'y a que toi qui oublie ça. J'espère qu'un jour tu ne vas pas me dire « Je ne sais pas où j'ai mis ma Senna ». Arrête tes conneries. Copain. Ouais, ouais. Et la ZR1. Bon, et alors, tu vas avoir une ZR1 Je vais l'avoir normalement fin de l'année prochaine. Une Corvette ZR1 C8 que j'ai commandée. Et elle sera au nom de mon père. Parce que mon père était donc un grand fan de voitures américaines, et les Corvettes surtout. Et pour lui, c'était donc le Graal en voiture. Par contre, celle-là, je kiffe. Ah, vraiment. Oui, la Corse. Monsieur Orlisky. Et on en parlait à la seconde. Attends, à la seconde. Salut mon jeune Anton. Il est tanné aujourd'hui. Il est beau. Regarde-le. Et comment donc le petit là? Le petit, le nounours. Ah le voilà, regarde-le. Qu'il ne devienne pas comme son père. Calme, cool. Pas de nudisme ou de folie. Hein. Ouais, tu l'avais même pas conduit. Non, j'ai rien fait encore, mec. Je suis perdu. Je suis comme une taupe perdue dans ses galeries. Ouais. Je suis sûr qu'à ce prix-là, il n'y a même pas le CarPlay. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est relou. Là, c'est là, bien sûr. Mais ça, donc, en forme milieu, c'est pareil. Hein, avec Anto et la clique. STO, donc ça je kiffe. Concurrent comme de la Lotus aussi un petit peu. Hein. La pile. Ah, son ouais, c'est vrai. Sur ce, on coupe. On va pas y rouler. Let's go. Tiens, regarde, t'as vu là. Là où on est. C'est quand même beau, hein, franchement. Le château. Les voitures. Wow. Bon, les gars, à plus. Donc on y est hein, dans le cockpit du monstre. Donc c'est une McLaren Senna, je pense donc ça vous le savez. Franchement donc ça marche, mais plus fort que je pensais. Donc là on est en mode sport en suspension, vitesse un petit peu excessive, mais ça marche. Hein. Donc il y a une suspension enfin qui est hydraulique. Donc quand tu freines, donc la suspension se met plus ferme. Et le ressenti, on dirait enfin que on dirait qu'il n'y a rien en termes de vitesse. Donc c'est quand je freine, donc il pompe l'huile de la suspension vers l'avant. Et quand j'accélère, l'huile revient donc en arrière. Et donc ça garde le châssis très souple. Et en clair, c'est que le bac ne bouge jamais. C'est très bien fait. Tiens, exemple. On y est là. Ouais, c'est hallucinant. Les freinages. Garde aussi. Hein. Ouais, c'est quelque chose, hein. Vraiment. C'est une très bonne voiture. Elle est bien faite, elle est bien équilibrée. Et elle marche du tonnerre. Ouais, c'est sans cesse. Mais je suis très content d'être enfin donc, dans la cour des grands. Hyper car. Hein.
from my lips feel big from the bit. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense, cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5 hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. Burning down sage, keep the demons away. When I write bon, alors. J'ai verdict, c'est que cette voiture est complètement bluffante. Donc là, on est un petit village. Je ne sais pas si on arrive donc à avoir donc des scènes cohérentes quand je roule, parce que je pense que c'est tellement bruyant. Il y a aussi donc les cailloux, enfin qui sautent de partout. J'entends tout. Le châssis est vivant. Ah, ça donc là devant, on a Fred. Donc là, on y est. Donc on est donc sur des routes vraiment défoncées. Elles sont bossues, mais comme pas possible. Et on est au McLaren, hein. Senna, je précise. C'est pas, je pense, fait pour ça. Et voilà. Oh non, non. Ah, les cailloux partout par contre. Démoniaque. Donc là, on est en mode suspension, on est en mode sport. En mode moteur, donc on est en mode track. Donc là, c'est la full puissance. Par contre, en terme USP, donc je suis en boîte manuelle, enfin palette. Et en ESC, donc traction contrôle, je l'ai laissé on pour l'instant. Parce que les routes sont tellement mauvaises, je préfère donc le laisser. En général, donc, je roule toujours en mode full off, mais cette fois-ci, avec cette voiture, et je la connais pas encore, on va rester full on. Tu vois ce petit doigt? On appuie, désactivé, c'est bon au final. Ouais. Attention. Soul. C'est pas de con, Soul. C'est pas de con. Bienvenue ici, dans la Lotus. Alors, rien à voir avec la Senna, évidemment. La Senna qui est juste devant moi, d'ailleurs, la vue, elle est complètement folle. On a l'arrière-train de Soul, de la Senna de Soul. On l'entend un peu, peut-être que vous l'entendez. Et franchement, c'est trop beau. Il a acheté une dingue, et franchement, c'est... Bon, il est temps de faire chanter un petit peu. Sprinter, allez, respire. Dites-vous quand même qu'on est dans une caisse qui coûte plus ou moins 100 000 euros. Vous pouvez avoir 13 voitures comme ça pour une Senna. C'est ça qui est complètement dingue aussi. J'essaie de suivre Soul. Et le problème de la Senna, elle envoie des cailloux. C'est des rochers, il va me refaire tout l'avant, le pare-brise, les rétros. Je peux vous dire que quand il met les gaz, il disparaît. J'ai l'impression d'avoir un problème. J'ai l'impression que ma voiture, elle a le Covid. C'est dingue. Oh, allez, les amis, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je veux accélérer. Putain de merde, ouais. Full off, c'est quelque chose. Ouais. Tu l'as dit? Tu sens? Oh merde. Ça glisse. Putain de merde, ouais. Je le sens. Ah ouais, non. Ah, route propre, c'est parti. Ah mais là, on n'a pas très glissé. Hein. Oh putain de merde. Ah ouais. Y a rien à voir. De souvenir, elle pèse quoi? Elle pèse 1290 kg, donc 1290 kg. À vide, je crois. Donc ça fait 1350, 1380. Ouais, avec un bon petit 800 chevaux, donc c'est pas si mal. Mais vous me connaissez. Dans le futur, donc ce qui arrivera, c'est échappement, carto, je ne pense pas. On verra bien. Mais échappement, c'est certain. Un truc abusé, des katas, sans rien. Je le redis, donc il y aura donc une vidéo qui va sortir bientôt avec Orlinski. Où on fera donc une grande folie à montrer donc la voiture, ce qu'elle a dans le ventre, sur piste. Donc ça, c'est à venir. Bon, là on arrive enfin donc à la fin du rallye. Ça a été fabuleux, belle expérience, beau monde, belles personnes. Ils ont fait un très chouette événement, vraiment. Je suis content. En plus, venir en Senna, c'est quelque chose. Ces voitures donc me procurent de vraies sensations fortes. Bon, c'est pas fait pour ces routes-là, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein. Regardez, pare-brise éclaté, là. Ouais, j'ai bien bousillé mon pare-brise. Mais au moins, donc, cette voiture, elle va vivre. Et des choses, on va vous montrer, mais de toutes les couleurs. Donc, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Ouais. Mais comme toi, je le ferai cet hiver. Les gars, donc, je roule, il m'a cartonné mon pare-brise, il est foutu. Hier, je l'ai fait le même coup, et je pense que le karma existe.
Ouais. Saloperie. Hein. Ouais. Par contre, je pense que sur une Porsche, ça vaut quoi? Ça vaut 2000 euros le pare-brise? Tu sais, ça se verra là, même pas sur ton compte. Là, là. J'en ai pour 8000 euros. C'est atroce. C'est atroce. Mais l'assurance. Joy, bonjour. Myself to the page, I don't do it for the praise, love. That's just how I'm made. Truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see that. Then it cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad tear, I'ma curb them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Hit a light it up, lighten up. Hear him talking, they ain't right enough, tighten up. Ah, mais on en a déjà parlé. Ah, oui. Une brise. Oui. Je le dépasse plein gaz et il me remet plein de gaz aussi. Et on fait quoi ça? Je vois la salle. Je le vois, il est tombé dans sa sénage. Et tu veux rien sans. Alors j'ai 20 cailloux coincés ici. C'était même pas. Oh mon dieu, ça me. Mais. C'est une folie. Monte avec mon pantalon. Alors j'ai plus envie de rouler en supercar cette nuit. Je veux que des hypercars. Vraiment. Je veux que ça. Je veux que ça. Bon, on va trouver ça. Hein, on va trouver ça. Hein. Clairement. Non, mais c'est une problème. Belle, très belle expérience. Vraiment. Ouais. La Lauréa. T'as bien mon prénom, non? Ouais, le petit fantôme. Ma future car. Ma future car. Ma future. Méga car. Alors, j'ai plein de cailloux coincés ici. Oh mon dieu, ça me. C'est une pique. Mais. Est-ce que je me suis marré hein. J'ai fait des... off caméra. Enfin, off non, mais bon, peu importe. J'ai kiffé. Des roues de campagne. Ouais, ouais. Elles sont mi-propres, mi-défoncées. Et j'ai fait des vitesses, mais... mais tu sais que... spectaculaire. C'est que moi, derrière, je voyais la Senna qui faisait comme ça. Ouais. Et je me dis, là, il doit être secoué dedans. Ben, moi, derrière, on décollait du siège. Ah ouais, ouais bah moi aussi avec la loupe. Alors, être dedans, à chaque bosse, j'étais à 110, 120, mon cul décollait du siège. Mais étrangement, une personne normale s'arrête. Et moi, avec le côté heureux, je continuais. Bon, très bien. Franchement, très bien. Bon les gars, ciao.